Alors le groupe Michelin est évidemment centré sur le pneumatique, donc les principaux matériaux que l'on utilise dans le pneumatique vont tourner autour des produits biosourcés, mais aussi des produits d'origine fossile. Dans le biosourcé, on va avoir essentiellement le caoutchouc naturel, avec une filière responsable et transparente qui nous permette de développer cette filière-là et d'en utiliser de plus en plus, mais également de travailler sur tout un tas d'autres programmes qui vont nous permettre de passer d'énergie fossile à des énergies biosourcées, mais également de matériaux d'origine fossile vers des matériaux biosourcés ou d'origine recyclée. Alors au-delà du caoutchouc naturel, on va retrouver des huiles, des résines. On va travailler à travers des programmes comme le bio-butadiène, c'est-à-dire du butadiène biosourcé, qui vont nous permettre d'utiliser la biomasse pour faire cette molécule, mais également d'autres programmes qui sont en cours de développement qui vont nous permettre d'aller vers un pneu 100% durable à horizon 2050. Alors l'enjeu pour le groupe Michelin, effectivement, c'est de partir vers le tout durable. C'est le leitmotiv qu'on souhaite pousser aujourd'hui. Ça passe par des étapes intermédiaires à 2030, 2040, 2050, puisqu'en fait, c'est une transition qui va se faire. On doit reconcevoir les produits et redévelopper des technologies qui nous permettent d'atteindre ça. Alors l'enjeu derrière, c'est évidemment d'être plus indépendant des voies pétro-sourcées et puis de prendre en compte l'aspect planète avec l'environnement, mais l'aspect aussi sociétal et puis l'indépendance du groupe Michelin vis-à-vis de ses approvisionnements.